L'État du Texas fait toujours face aux séquelles de l'ouragan Anna qui s'est accentué au cours du week-end en tant qu'ouragan de catégorie 1 avec des vents de plus de 230 km/h. Quant aux précipitations qui ont saturé la partie sud de l'État, elles ont fait des ravages. On a constaté jusqu'à 30 cm de pluie. Ruisseaux et rivières sont sortis de leur lit, provoquant d'importantes inondations. Plusieurs dizaines de comtés du sud de l'État ont été déclarés zones sinistrées et bénéficient maintenant d'une aide d'urgence. La partie nord-est du Mexique a également été frappée. Au moins 4 personnes sont mortes et 4 autres sont portées disparues. Cette tempête restera dans les mémoires comme une tempête qui se maintenait dans certaines zones, provoquant des inondations. Aux États-Unis, cette saison est particulièrement propice aux ouragans. Celui-ci, le premier à frapper la côte. Le gouverneur du Texas s'est rendu sur les lieux pour évaluer les dégâts dans la partie sud de son État. La chose la plus importante que je puisse dire aujourd'hui est de rappeler à tout le monde dans l'État du Texas que ce n'est pas parce qu'un ouragan arrive dans l'État que le COVID-19 disparaît. Le Texas est durement frappé par une catastrophe naturelle avec l'ouragan Anna, ainsi que les conditions persistantes de la pandémie. Quelques bonnes nouvelles sont cependant à relever. Le nombre de cas qui avait augmenté de façon spectaculaire dans l'État la semaine dernière semble avoir plafonné. Le Texas n'a pas été autant durement touché au début que les États de New York et de Floride, mais vers le mois de mai, lorsque les bars et les restaurants ont commencé à rouvrir, la situation s'est aggravée. C'est un État qui croit fermement aux libertés personnelles. Nombreux sont ceux qui ne voulaient tout simplement pas porter de masque. Et bien maintenant, les autorités les avertissent. Regardez, nous maîtrisons lentement la situation, mais nous devons toujours être très vigilants. Elles tentent de fermer un certain nombre de restaurants et de bars et essaient au moins de s'assurer que les gens portent leur masque chaque fois qu'ils sont en contact d'autres personnes et pratiquent également la distanciation sociale et le bon sens.